e-frustration 2025. Salut à tous les amis, bienvenue pour ce nouveau journal d'eFootball qui s'annonce un petit peu frustrant. Mais je commence par quelque chose de positif, qui n'est pas du tout frustrant. Je vais vous parler d'un contenu exclusif. Vous me voyez peut-être venir. Il y a quelques semaines, j'ai organisé, grâce à l'aide de l'app The IFC, la Monsieur Quinton Cup 1. Ça s'est super bien passé. Il y avait beaucoup de joueurs, très belle ambiance, très bonne organisation grâce à The IFC. Et du coup, ça me permet de pouvoir organiser la Monsieur Quinton Cup 2, qui devrait se lancer fin avril, plus précisément le 25 avril. Je communiquerai sur la Monsieur Quinton Cup 2 dès la semaine prochaine, mais voilà, je voulais quand même vous en parler pour vous préparer et j'espère que vous serez très nombreux, puisque plus vous serez nombreux pour cette Monsieur Quinton Cup 2 et plus il y aura de chances de revoir des tournois par la suite. Et puis, suite à la Monsieur Quinton Cup 2, quand elle sera terminée, je vous annonce aussi qu'il va y avoir un championnat, une ligue régulière, mais je vous en dis pas plus, je vous garde la surprise pour la prochaine fois. Qu'est-ce que vous pensez de cette image? Déjà, vous voyez en bas à droite, il y a écrit Konami Digital Entertainment. Qu'est-ce que vous pensez de la modélisation de ce joueur? De la lumière qui se reflète sur son visage? Des textures? Franchement, elle n'est pas magnifique cette image? Et c'est une image tirée d'un jeu développé par Konami. Un jeu de baseball. Et les graphismes n'ont rien à voir avec ce eFootball. Là, on est sur de la next-gen. Et ça, c'est pas un jeu qui tourne sur mobile. En tout cas, je pense pas. Konami est capable de faire des graphismes et des jeux aussi beaux que ça. Regardez cette image. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça, c'est un jeu développé par Konami. Un jeu de baseball. Le baseball est très populaire au Japon. Et le jeu fait un carton là-bas. Mais franchement, PES ne mérite pas des graphismes comme ça. Est-ce que là, on n'est pas à un niveau de Messi photoréaliste du fameux teaser d'il y a quelques années? Oui, on est clairement à ce niveau-là. Eh bien, c'est pas ce qu'on nous sert sur eFootball, malheureusement. Cette image est tirée du jeu de baseball qui s'appelle Baseball Spirits 24-25. Et je peux même vous montrer ça en vidéo puisqu'il y a un petit trailer par rapport à ce jeu de baseball. Regardez-moi ça. C'est magnifique. eBaseball Engine. On dirait un jeu de chez 2K carrément. Et notamment ce passage avec les remplaçants. Voilà, comme quoi ils sont capables de modéliser des remplaçants bien modélisés, bien faits. Nous, on n'a même pas de remplaçants sur le banc dans eFootball. Je vous ai prévenu que ce journal allait être frustrant. eFootballer qui nous dit que Konami prévoit des avatars payants pour eFootball. Eh oui, on va devoir payer pour avoir certains avatars. Ça me choque pas de ouf, en vrai, puisque je compare beaucoup eFootball à Fortnite au final. Et sur Fortnite, tu payes pour avoir des skins, pour avoir des animations, pour avoir des célébrations, etc. On va arriver sûrement à ça sur eFootball. Ce qui me choque, c'est que le jeu n'a rien à t'offrir. C'est ça le problème. Dans Fortnite, ça me pose aucun problème. Mais vraiment aucun problème. D'ailleurs, pour vous tout vous dire, j'achète régulièrement des choses à ma femme qui adore Fortnite. Donc elle s'achète des skins, des animations, des célébrations, des trucs à la con comme ça. Mais comme elle y joue tous les soirs et qu'elle s'éclate et qu'elle fait plein de choses différentes dans Fortnite, je trouve ça logique finalement. Vu le temps de jeu passé et vu le temps d'amusement passé. Le jeu Fortnite a énormément de modes de jeu et de choses à offrir aux joueurs. Ce qui n'est pas du tout le cas sur eFootball. Quand tu proposes aussi peu de contenu, aussi peu de choses à faire, aussi peu d'amusement, on n'en est pas au stade de payer des avatars. Déjà, intègre une Ligue des Masters, intègre des modes de jeu qui donnent envie. Intègre plein de choses à faire dans ton jeu et après, oui, fais payer des avatars, il n'y a pas de souci. Mais là, ça me choque dans ce stade de développement d'eFootball. Il n'y a rien à faire dans eFootball. Qu'est-ce que je vais payer des avatars? Un truc très cool au niveau marketing, c'est marrant parce que je parlais de Thomas Müller
il n'y a pas longtemps en disant que c'était un mec grave cool, et ben il est tellement cool qu'il a été caster pour la compétition qui a mis à l'honneur le Bayern de Munich, le Bayern Club Event. Et c'est Thomas Müller qui a commenté cet event, et ça je trouve ça grave cool, et c'est grave à l'image du joueur. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal, c'est un bon move. Depuis la dernière mise à jour, vous êtes nombreux à avoir détecté des nouvelles animations, des nouvelles choses. Et c'est vrai, et on le voit avec cette vidéo, on voit qu'il y a des animations qui sont nouvelles, il y a des façons de... Voilà, vous voyez, cette petite gestuelle en interview, ça n'existait pas. Il y a des façons de contrôler le ballon, des façons de faire des passes qui sont un petit peu nouvelles. Vous voyez, cette façon de capter le ballon pour le gardien, bah ça, c'est assez nouveau. Donc, mine de rien, ils ont ajouté pas mal de petites animations et de cinématiques. Je pense que les cinématiques qu'ils ont rajoutées, c'est en prévision de la Ligue des Masters. On va en parler juste après. Et les petites animations qui sont nouvelles, bah voilà, ce sont des nouveautés qu'ils ont ajoutées dans la dernière mise à jour. Et je trouve ça plutôt pas mal. On enchaîne avec un tweet de Robiron. Et les plus nostalgiques d'entre nous vont peut-être verser une larme quand ils vont constater cette image. Et oui, les joueurs légendaires de la Ligue des Masters, ces joueurs qui ont fait le succès du mode de jeu le plus populaire de la licence PES, sont bien présents dans le jeu. Et je vous le confirme puisque je vous partage des images. Oui, il y a bien Yuga, Ivarov, Castolo, Minanda, Espimas, Ximeles, Valeni et compagnie. Ils sont tous bien dans le jeu aujourd'hui, sauf qu'on ne peut pas les contrôler. Ce sont des adversaires contrôlés par l'IA. Et ces adversaires, vous ne les retrouverez que dans l'événement Beat the Clock ou Contre la Montre, où le principe est simple, vous devez marquer un but le plus rapidement possible. Si vous marquez un but avant 5 minutes, vous allez recueillir une médaille de bronze et vous allez gagner certaines récompenses. Plus vous allez marquer vite le but, plus les récompenses sont élevées. Et les adversaires de cet événement, ce sont nos fameux chouchous de la Ligue des Masters. Donc Konami introduit les joueurs de Ligue des Masters dans un événement contre la montre où il faut marquer un but rapidement. Est-ce que c'est du foutage de gueule ou est-ce que ça augure de belles choses par rapport à la Ligue des Masters? Est-ce que ça sent pas la Ligue des Masters là? Est-ce que la Ligue des Masters va pas arriver très très vite dans la mesure où Konami a modélisé déjà tous les joueurs de la Ligue des Masters? La communauté est partagée. Certains pensent que c'est carrément un foutage de gueule de faire revenir les joueurs de la Ligue des Masters, mais pas en Ligue des Masters, mais dans un événement qui est pas fou. Et d'autres sont très enthousiastes et pensent que la Ligue des Masters va arriver très vite. Rappelez-vous, Durandil avait déjà repéré les noms de ces fameux joueurs de Ligue des Masters. J'en avais parlé dans un journal d'eFootball très récemment. Et on s'était dit que ouais, la Ligue des Masters allait arriver rapidement. Sauf qu'en fait, ces noms que Durandil a trouvés, eh bien en fait, ils étaient là par rapport à cet événement de contre-la-montre. Donc Durandil, lui, est plutôt dans la team pessimiste et plutôt dans la team foutage de gueule. En fait, bah, la réponse à cette liste présente dans les fichiers du jeu, c'est tout simplement que ces noms étaient réservés pour cet événement en ligne. Donc du coup, il est pessimiste parce qu'il pense que ces joueurs ont été modélisés uniquement pour cet événement. Et il dit que dans la base de données actuelle, il n'y a pas de données mises à jour par rapport à la Ligue des Masters, c'est-à-dire il n'y a pas de contrat de joueurs ou il n'y a pas de données de prix des joueurs, il n'y a rien de tout ça. Par exemple, il n'y a pas la valeur en euros des prix des joueurs dans le jeu. Vous voyez, il faut des choses comme ça dans la Ligue des Masters, et bien là, dans les fichiers du jeu, il n'y a rien de tout ça finalement. Donc Durandil est assez pessimiste pour une sortie rapide de la Ligue des Masters. Et il pense que c'est une provocation de la part de Konami d'ajouter les joueurs originaux de la Ligue des Masters comme adversaires alors qu'on aimerait les contrôler et on aimerait jouer avec en Ligue des Masters. Et bien c'est une provocation tout simplement parce qu'on n'a plus aucune nouvelle du mode de jeu Ligue des Masters depuis plus d'un an alors que Konami avait communiqué sur ce mode de jeu Ligue des Masters. Mais ils disent plus rien, silence radio depuis plus d'un an. Moi, je pense que la Ligue des Masters va finir par sortir, mais elle sortira peut-être pas en septembre 2024, et ça serait quand même une grosse déception, parce que ça fait très longtemps qu'on attend maintenant. Je pense qu'ils ont commencé, bah, ils ont même fini la modélisation des joueurs originaux de la Ligue des Masters, ce qui est déjà pas si mal. Ils se sont dit, voilà, on a fini la modélisation des joueurs de Ligue des Masters, donc on va les intégrer dans un événement, histoire de dire à la communauté, regardez, on a modélisé vos joueurs chouchous, vous inquiétez pas, la Ligue des Masters arrive.
Moi, je vois les choses comme ça. Donc, je suis plutôt dans la team optimiste. Je pense qu'elle va finir par arriver. Je ne pense pas que Konami se soit cassé la tête à modéliser les joueurs originaux de la Ligue des Masters pour pas faire la Ligue des Masters derrière. On finit par une info positive. Konami prévoit prochainement l'ajout d'un système d'amis in-game permettant aux joueurs de jouer entre eux, entre amis, beaucoup plus facilement que de créer un lobby de match amical, d'envoyer le code, etc. Voilà les amis, sur ce que je pouvais vous dire, pas énormément d'infos autour d'eFootball, mais quelques petites infos quand même. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'ajout des joueurs originaux de la Ligue des Masters dans un mode de jeu contre la montre. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut.